Monseigneur, merci d'être avec nous. Alors, première question, quel est l'objectif de ce voyage au Liban? C'est ma première visite officielle au Liban. J'étais venu par 3 fois dans le passé pour différentes manifestations. Je réponds à l'invitation du président Sleiman. Je suis très heureux d'effectuer cette première visite. Je suis accompagné, comme vous le savez, d'une très forte délégation de la principauté, plus de 70 membres de notre chambre de développement économique. Alors, cette visite a pour but essentiel de réaffirmer les liens d'amitié et de coopération que nous entretenons avec le Liban depuis de fort nombreuses années, et puis de chercher des synergies nouvelles, qu'elles soient économiques, culturelles ou environnementales, ou même dans les télécommunications, puisque nous allons pouvoir signer aussi plusieurs nouveaux accords, dont un accord qui permettra à différentes chaînes libanaises de pouvoir être diffusées au travers du bouquet d'offres de chaînes qui sont distribuées par Monaco Télécom sur le territoire de la Principauté. Donc nous sommes très heureux de pouvoir entrevoir une nouvelle forme de coopération et de liens qui, comme je le disais, sont déjà très très anciens. Donc la Principauté de Monaco a toujours été un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Est-ce ce rôle majeur aujourd'hui pour votre première visite officielle dans ce pays que vous êtes venu réaffirmer? Monaco a depuis longtemps entretenu des relations avec d'autres pays méditerranéens, au travers notamment de son département de la coopération internationale et de ses efforts, et a toujours su trouver des projets innovants, qu'ils soient humanitaires ou environnementaux, avec les pays du bassin méditerranéen et notamment le Liban. Et je pense que nous voulons réaffirmer cette volonté de coopération avec différents pays du bassin méditerranéen. Et je crois que Monaco et le Liban ont un rôle à jouer dans cet effort, dans le fait de trouver des solutions innovantes et des nouvelles synergies, afin qu'il y ait de vrais progrès faits dans la volonté d'essayer de réduire les inégalités principalement dans les pays en développement et les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et je crois que si, par ces efforts, si nous arrivons à créer de nouvelles solidarités et à ainsi favoriser et à faire que l'ensemble de la région du bassin méditerranéen soit une région de stabilité et de paix, eh bien, si nous pouvons participer à cet effort, ce sera déjà je pense, un très bel objectif. Alors, vous évoquez dans vos propos beaucoup l'environnement. Nous passerons peut-être aux questions plus politiques liées à l'actualité dans un instant. Vous apparaissez un peu comme le champion de la défense de l'environnement. Il y a de gros problèmes ici dans ce pays, comme beaucoup dans le pourtour méditerranéen. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être pas temps d'apporter des mesures plus contraignantes auprès de beaucoup d'États, pas simplement, mais des grands de ce monde, et notamment les pollueurs, pour respecter plus encore et montrer l'exemple face aux pays, soit émergents, soit les pays en voie de développement, de montrer l'exemple pour respecter l'environnement plus. Écoutez, je crois ce que la Principauté a fait au travers de ces projets de coopération et au travers aussi des projets de ma fondation, qui porte mon nom et qui a participé à plus de 150 projets dans le monde entier, mais avec de concentration plus accrue sur les pays du bassin méditerranéen et aussi d'Afrique.
Eh bien, je crois que la conjugaison de ces deux efforts eh bien, font que la principauté est un des pays, je pense, les plus actifs et les plus et qui a su participer ou su aussi initier certains projets extrêmement innovants pour venir en aide à nos pays voisins méditerranéens et qui, bien sûr, connaissent des difficultés et n'ont pas les structures souvent pour pouvoir lutter contre différentes, non seulement contre différentes formes de pollution, mais contre un développement qui, et pour favoriser un développement qui soit le plus durable possible. Alors, c'est des solutions qui soient contraignantes ou innovantes, je pense que tout ce qui peut contribuer à améliorer la préservation de l'environnement et la lutte contre différentes formes ou de désertification ou de favoriser des projets liés à l'eau qui est vraiment très très important, qui est une question fondamentale pour ces pays et pour les pays du Proche-Orient en particulier. Eh bien, si nous pouvons apporter notre contribution à cet effort, nous en serons les premiers heureux. Donc le 14 février 2005, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri était assassiné en plein centre-ville de la capitale, ici. Près de 6 ans après, le tribunal spécial pour le Liban, créé pour découvrir la vérité sur ce crime et juger les assassins, devrait publier prochainement son acte d'accusation. Cette perspective, et on l'a vu avec la démission des ministres de l'opposition dans ce pays, suscite des remous politiques, comme ici, comme d'ailleurs dans toute la région. Pensez-vous, comme certains l'avancent, que ce tribunal devrait être annulé, ou au contraire, comme d'autres, doit pouvoir poursuivre ses travaux, ou enfin rechercher un compromis susceptible de contenter les deux parties? Écoutez, je souhaite vivement que les événements politiques survenus hier ne remettent nullement en cause la volonté du Liban de retrouver sa stabilité. C'est très important. Monseigneur, merci d'être avec nous. Alors, première question, quel est l'objectif de ce voyage au Liban ? C'est ma première visite officielle au Liban. J'étais venu par 3 fois dans le passé pour différentes manifestations. Je réponds à l'invitation du président Sleiman. Je suis très heureux d'effectuer cette première visite. Je suis accompagné, comme vous le savez, d'une très forte délégation de la principauté, plus de 70 membres de notre chambre de développement économique. Alors, cette visite a pour but essentiel de réaffirmer les liens d'amitié et de coopération que nous entretenons avec le Liban depuis de fort nombreuses années, et puis de chercher des synergies nouvelles, qu'elles soient économiques, culturelles ou environnementales, ou même dans les télécommunications, puisque nous allons pouvoir signer aussi plusieurs nouveaux accords, dont un accord qui permettra à différentes chaînes libanaises de pouvoir être diffusées au travers du bouquet d'offres de chaînes qui sont distribuées par Monaco Télécom sur le territoire de la principauté. Donc nous sommes très heureux de pouvoir entrevoir une nouvelle forme de coopération et de liens comme je le disais, sont déjà très très anciens. Donc la principauté de Monaco a toujours été un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Est-ce ce rôle majeur aujourd'hui pour votre première visite officielle dans ce pays que vous êtes venu réaffirmer? Monaco a depuis longtemps entretenu des relations avec d'autres pays méditerranéens, au travers notamment de son département de la coopération internationale et de ses efforts, et a toujours su trouver des projets innovants, qu'ils soient humanitaires ou environnementaux, avec les pays du bassin méditerranéen et notamment le Liban. Et je pense que nous voulons
réaffirmer cette volonté de coopération avec différents pays du bassin méditerranéen. Et je crois que Monaco et le Liban ont un rôle à jouer dans cet effort, le fait de trouver des solutions innovantes et des nouvelles synergies afin qu'il y ait de vrais progrès faits dans la volonté d'essayer de réduire les inégalités principalement dans les pays en développement et les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et je crois que si, par ces efforts, si nous arrivons à créer de nouvelles solidarités et à ainsi favoriser et à faire que l'ensemble de la région du bassin méditerranéen soit une région de stabilité et de paix, et bien si nous pouvons participer à cet effort, ce sera déjà un très bel objectif. Alors, vous évoquez dans vos propos beaucoup l'environnement. Nous passerons peut-être aux questions plus politiques liées à l'actualité dans un instant. Vous apparaissez un peu comme le champion de la défense de l'environnement. Il y a de gros problèmes ici dans ce pays, comme beaucoup dans le pourtour méditerranéen. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être pas temps d'apporter des mesures plus contraignantes auprès de beaucoup d'États, pas simplement, mais des grands de ce monde, et notamment les pollueurs, pour respecter plus encore et montrer l'exemple face aux pays, soit émergents, soit les pays en voie de développement, de montrer l'exemple pour respecter l'environnement plus. Écoutez, je crois ce que la principauté a fait au travers de ces projets de coopération et au travers aussi des projets de ma fondation qui porte mon nom et qui a participé à plus de 150 projets dans le monde entier, mais avec une concentration plus accrue sur les pays du bassin méditerranéen et aussi d'Afrique. Eh bien, je crois que la conjugaison de ces deux efforts font que la principauté est un des pays, je pense, les plus actifs et qui a su participer ou su aussi initier certains projets extrêmement innovants pour venir en aide à nos pays voisins méditerranéens qui, bien sûr, connaissent des difficultés et n'ont pas les structures, souvent, pour pouvoir lutter non seulement contre différentes formes de pollution, mais contre un développement et pour favoriser un développement qui soit le plus durable possible. Alors, si c'est des solutions qui soient contraignantes ou innovantes, je pense que tout ce qui peut contribuer à améliorer la préservation de l'environnement et la lutte contre différentes formes ou de désertification ou de favoriser des projets liés à l'eau qui est vraiment très très important, qui est une question fondamentale pour ces pays et pour les pays du Proche-Orient en particulier. Eh bien, si nous pouvons apporter notre contribution à cet effort, nous en serons les premiers heureux. Donc le 14 février 2005, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri était assassiné en plein centre-ville de la capitale, ici. Près de 6 ans après, le tribunal spécial pour le Liban, créé pour découvrir la vérité sur ce crime et juger les assassins, devrait publier prochainement son acte d'accusation. Cette perspective est... On l'a vu avec la démission des ministres de l'opposition dans ce pays, suscite des remous politiques, comme ici, comme d'ailleurs dans toute la région. Pensez-vous, comme certains l'avancent, que ce tribunal devrait être annulé, ou au contraire, comme d'autres, doit pouvoir poursuivre ses travaux, ou enfin rechercher un compromis susceptible de contenter les deux parties? Écoutez, je souhaite vivement que les événements politiques survenus hier ne remettent nullement en cause la volonté
du Liban de retrouver sa stabilité. C'est très important.